Chicha. Et oui, pas d'effets spéciaux aujourd'hui, et même un retour caméra, c'est incroyable. C'est le miracle des technologies modernes. Alors pourquoi il montre sa bouille? En fait, c'était pas ma bouille que je voulais vous montrer, c'était bien le jeu qui va être juste à côté là dans pas longtemps. C'est juste que, en fait, je voulais vous montrer aujourd'hui pourquoi j'ai décidé d'inviter tout le monde à regarder ce stream, ce nouveau numéro de The Big Gamoski. À cause de ça. Pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui on va faire un petit jeu. Alors petit jeu, c'est vraiment un petit jeu quoi. Genre aujourd'hui il est vendu à moins de 10 euros, mais je suis pas certain qu'il les vaille en fait parce que ça fait encore un peu cher pour un truc qui est assez court et qui est juste là pour faire des barres de rire. Par contre concernant la partie barres de rire, eh ben j'invite tous les gens de la famille à venir quoi, les gosses, les parents. Les gens qui aiment le design, et j'insiste, parce que c'est fait par un studio qui s'appelle Amanita Design, qui est une toute petite structure, et qui fait des trucs dans ces genres-là, quoi. Donc tous les machins de super stylisés, un petit peu zarbi, je sais pas quoi. Tiens, pour ceux qui veulent noter le titre du bouquin, il est très bien, je suis pas payé pour, mais bon. Si vous aimez le design, c'est assez rigolo, il y a tout. De quoi se marrer. Yippee-ki-yay-go. J'enlève ma tronche, on y va. Vous verrez que le jeu se suffit à lui-même pour vous faire des bonnes barres de rire, même si j'ai tendance à pas trop faire rigoler en ce moment. Non, mais oh! Alors, c'est parti. Enlevage de tronche, téléportation. Et ensuite, lançage de l'animal. J'ai dit son nom de l'animal. Chuchel. Chuchel. Comme ça ne se prononce pas. Et donc, le principe de jeu, c'est un. C'est un point and click de base, à part que bah, il va vous permettre de vous taper des bonnes barres de rire en famille. Parce que vous voyez, les designs sont super rigolos. Donc les mômes, ils vont arriver là-dessus, ils vont être hystéro. Laissez-les cliquer de partout, c'est exactement le but recherché. Vous, vous allez arriver là-dessus en faisant ah, c'est mignon, c'est rigolo, c'est un petit peu design. Vous allez faire votre petit gars bah, qui n'en veut, quoi. Et en fait, je pense que oui, c'est vraiment le jeu idéal pour jouer en famille. Et vous allez voir qu'il a un côté tout à fait charmant, parce qu'en fait, il y a toute une aventure qui va vous être narrée. Mais j'en dis pas plus, on va essayer en même temps. Alors, je n'ai pas parcouru le jeu. Donc, il ne faudra pas piner si je reste coincé, c'est possible. Vous pouvez gueuler dans le chat, j'ai le retour. Des fois, des suggestions des gens qui regardent, c'est toujours bienvenu plutôt qu'un crétin qui tourne en boucle. Alors, interagissons. Donc ça c'est moi. Donc vous voyez forcément c'est pas fait pour être super sérieux quoi. Bah c'est l'heure. Pas super au point. Bon on va brancher ça. C'est Nawak, c'est vraiment Nawak. Ça, c'est de l'indice où je ne m'y connais pas. Ah!
Donc apparemment, on a le même problème que Scrat. On est un petit peu accro à quelque chose. On va remplacer donc ici la noisette par la cerise. La précieuse cerise. Si vous avez compris, tant mieux. Moi, c'était pas vraiment explicite. Mais bien sûr. Salut, petit ami. Je suis vraiment brume en plus. Le stream sans grossièreté, je pense que ça vaut le coup d'amener les mondes. Je pense que ça vaut carrément le coup de faire jouer les mondes sur ce point. Même si Shushel a l'air un petit peu vénère et rageux. Ah oui. In the Bob. Donc apparemment chaque tableau se présente comme, comme un épisode où il y a une énigme à résoudre de manière plus ou moins capillotractée, on va dire. Et c'est à vous de trouver par les différents essais les combinaisons qui peuvent fonctionner ou pas. Bla ou bump. Je sais pas. Bla. Effectivement. C'est n'importe quoi. Là, ça marche pas trop. Go,
En fait, c'est ça qu'on aime dans ce jeu, c'est que c'est n'importe quoi. Donc forcément, c'est mieux que quoi que ce soit d'autre. Alors, lequel? Bon, on va prendre le gros, hein. Oh putain. D'accord. Ouh, la schiaffe. Alors, tout rapport avec un jeu débile qui se pilote à coups de clic serait purement fait exprès. Je suis pas un pro du fameux jeu en question. Non, je crois qu'il y a une version d'Android, il y en avait une courte synthèse. C'est vrai que j'avais pas passé les trois premiers niveaux. Oh,
Bien bon, finalement. J'espère que c'est pas encore très très long parce que c'est. Alors le truc est quand même super bien trouvé parce que c'est vraiment du cartoon interactif quoi. Oui, c'est de la BD augmentée. Il y a un mélange qui est super intéressant, surtout dans le fait que le jeu est vraiment extrêmement simple. C'est-à-dire, lui, il veut absolument récupérer sa cerise. Et donc, il vous fait parcourir plein de phases de jeu complètement barrées, comme les party games. On part qu'ici, quand même, ça a un charme déjà d'originalité. Et puis, apparemment, les gens n'ont pas été peindre en animation. Bien que ce soit pas de la grosse animation qui tue, mais... du moment que la mise en scénario est efficace et que les gags aboutissent, t'étais plus entier là-dedans, toi. Ok. Gabo. Zu. ODIL, que voulait-il dire? Ok. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau Pit Game of Steel consacré à un shmup extraordinaire. Avec quoi je tire, les gars? Ah ouais. Un shmup fort bien trouvé. Si j'avais su que je ferais du shooting dans un jeu pareil. Thank you.
Non, mais on voit quand même le serial shooter. Un boss. Il est aussi gonflant qu'un vrai. Oui. On sent bien les références gamer geek derrière. Tada! Donc voilà pourquoi on aime Chouchel, parce que c'est un jeu qui est complètement à part, avec son univers complètement barré, ses petites énigmes pas très compliquées pour l'instant apparemment. Et puis surtout, bah le fait qu'il s'adresse à personne et à tout le monde en même temps du coup. Donc c'est très très amusant à manipuler, et je pense qu'à plusieurs c'est encore plus drôle, parce que chacun doit suggérer des choses complètement improbables pour résoudre les énigmes. On va essayer de voir plus loin, si on peut avancer un peu plus loin. Non, toi tu veux pas. Alors là où je me permettrais d'avoir le doute, c'est sur la durée du jeu. Si tu me tournais la manette, ça laisse faire l'eau, ce serait beaucoup plus simple. Apparemment, on va écluser toute la salle d'arcade. Alors moi j'avais vu cet extrait là, et la reprise de Pac-Man, du thème de Pac-Man, mais en version acoustique, ça m'avait fait juste poiler. Et puis les fantômes qui font coin coin aussi, je trouve ça très glamour. C'est vraiment fond d'art. On joue réellement à Pac-Man, c'est ça le pire. Back.
Non, mais les fantômes qui font coin, coin, ça me perturbe. C'est quand même assez monstrueux. Quand même pas mal, c'est que chaque partie de mini-jeu est juste assez longue pour vous amuser un moment sans devenir super longue. Oups. Diriger un Pac-Man à la souris, ça fait toujours un poil bizarre. Bon, ça reste l'algo du Pac-Man. Le jeu est super sympa, genre il vous laisse quand même vos anciens trucs gagnés, histoire que vous ne soyez pas complètement à la ramasse. Donc le jeu est vraiment, vraiment, vraiment pour toute la maison. Par contre, c'est parfaitement inguidable. Je vais essayer avec les touches du clavier. Non. Ouais. C'est un poil mieux. C'est pas très maniable en fait. Non mais. La BO de Pac-Man en version flamenco, quoi. C'est juste. Il faut l'expérimenter une fois dans sa vie, quoi. Sens-tu la pression qui monte, les fantômes derrière toi qui en veulent à ta vie. Oh, olé! Rodriguez, comme dirait un ami. Ouais, les petits cul-de-sac, ça, c'est un peu très quand même. Et arrêtez de caqueter dans mon dos, bande de sales fantômes. Crac. Bisous, crac. Heureusement que je suis en crédit illimité, hein, parce que...
Et donc on va terminer en beauté avec le Tetris. D'ailleurs on aura le stream sur ça, histoire de pas tout vous spoiler. Je referai une série derrière pour les gens qui veulent voir ce que ça donne plus loin. Là ça nous a donné un bon aperçu. Donc le concept du Tetris où là je dois éviter de me faire défoncer par les pièces qui tombent du plafond par contre. Et oui, quoi de plus chiant que le joueur de Tetris qui ne sait pas opposer sa pièce et vous emmerde. Et qui réussit pas une seule ligne en plus. Mais oui, bien sûr. Je sens que c'est le bon celui-là. Ma cerise, ma précieuse. C'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est plaisant. Alors, est-ce que je peux avoir enfin ma précieuse? Bah oui. À moi la manette. Brûle. Oh, okay.
Parfait, Indiana Jones. Voilà donc pour ce premier stream, nouveauté consacrée à Chouchel. Ce n'est pas fini. On va s'arrêter là quand même. Alors, on se donne rendez-vous dans The Big Game Mosky demain à 19h, comme tous les jours. Et vous découvrirez par vous-même si c'est encore du stream nouveauté, avec peut-être la suite de Chouchel. Ou si on retourne à nos bons vieux shmups, car je n'ai pas fini d'excuser les collections et de tomber sur des perles comme sur des étrons, on peut le dire. Je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi le stream. Vous pouvez avoir plus d'infos en vous connectant sur Twitter, en suivant le compte @TheBigGameOski tout attaché. Ce sera beaucoup plus simple pour profiter de nombreuses autres infos qui pourront vous être utiles si vous aimez vous éclater dans les jeux vidéo vous aussi. Allez, rendez-vous demain pour le stream dont on ne sait pas ce que c'est encore. Ciao, ciao. Et le plus dur, c'est de s'arrêter. Ciao.